faire confiance, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Entre les lignes. Aujourd'hui, on va aborder trois thématiques. Premièrement, on va parler du processus électoral qui est en cours. Comme vous le savez, le chef de l'État était aujourd'hui à la rencontre de Denis Kadima et d'autres candidats à la présidence de la République. Donc, toutes ces parties prenantes ont pris part à cette rencontre avec le président de la CENI et tous les autres animateurs donc, de la centrale électorale. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, on parlera de la candidature unique ou commune de l'opposition. Comme vous le savez, quelques délégués de l'opposition se joignent en Afrique du Sud pour les préalables de cette candidature unique ou commune de l'opposition. Enfin, comme vous le savez, c'est la fin du mandat du président de la République demain. Le 14 novembre, il va tenir un discours, son tout dernier discours de mandat, discours sur l'état de la nation, le tout dernier. Je pense qu'il va brosser en tout cas l'ensemble de ses réalisations pendant les cinq années. Voilà les trois thématiques qu'on va aborder dans cette émission. On a un invité qu'on reçoit, pour la première fois. Il est un leader politique, il est à la pignon sur rue, il est membre de l'AMUKA. Monsieur Rudy Mandio, il est président du PSN et puis cadre de l'AMUKA, l'AMUKA Fayulu. Monsieur Rudy Mandio, bonjour. Bonjour, monsieur Danzeng. Bien habillé, bienvenue chez nous aussi. Merci, et vous-même aussi bien habillé. Merci beaucoup, monsieur Rudy Mandio. Comment va votre famille politique? Notre famille politique va bien, ça va très bien au sein de notre... Premièrement, d'abord, au sein de notre propre parti politique, ça veut dire le PSN, le Peuple au Service de la Nation. Vous savez que nous militons, l'année prochaine, nous allons célébrer notre 10e anniversaire d'existence en tant que parti politique. Wow. Et puis, j'aimerais peut-être vous souligner quelque chose que les gens doivent savoir. Mm-hmm. On n'a pas commencé étant qu'une organisation politique, mm-hmm. mais nous sommes une émanation d'un mouvement citoyen. Mm-hmm. Donc, ça veut dire de l'activisme. Jusqu'au point d'aller en politique. Mmh. Et nous avons mené un combat à peu près 6 ans d'activisme, mmh. beaucoup plus dans la diaspora, au niveau de l'Afrique du Sud, et le Canada et les États-Unis. Et après, maintenant, on s'est dit, bon, voilà, il faudra que nous puissions trouver une place, mmh. et que nos voix, que nous soyons nous-mêmes les porte-tendeurs de nos opinions, de nos idéaux, de notre mmh. pensée, mmh. de la manière de bien gouverner. Mmh. Et on a dit, donc, nous devons maintenant changer de structure, mais on ne change pas la pensée de départ. Exactement. Voilà, c'est que la pensée de départ, c'est... Nous sommes du courant libéral, c'est-à-dire nous c'est la bonne gouvernance, nous c'est les pratiques ou les principes démocratiques dont nous appuyons tout processus démocratique et nous souhaitons aussi le marché libre, vous voyez ce que je veux dire. Donc l'état des droits c'est parmi nos principes. Mmh. Et pour revenir à ce que je disais, l'année prochaine c'est déjà 10 ans. 10 ans. Donc vous êtes de la diaspora, vous êtes revenu au Congo pour vous trouver une place aussi, pour et chercher aussi à imposer votre vision politique. Effectivement. Mmh. La vision, elle est ce qu'on appelle le renouvellement de la classe politique. Mmh. Je ne parle pas du rajeunissement de la classe politique. Le renouvellement, ça veut dire une nouvelle pensée, mmh. une nouvelle façon de faire les choses, mmh. de voir les choses, de faire les choses. Mmh. Ça veut dire, vous savez, pour nous, au sein de notre formation politique, nous croyons que dans ce pays, on n'a pas vraiment eu comment la classe politique, depuis l'indépendance, la classe politique n'a pas changé. Je peux citer, je parle du courant politique. Vous savez, le premier président de ce pays, c'est le feu président Kassavubu. Vous savez, après lui, c'était Mobutu. Et quand vous voyez que Mobutu, c'était... bon, j'aime quand les Kinois disent ça, c'était un petit à Lumumba, si je peux le dire, quoi. C'était son... Oui, c'est vrai. Mais récemment, j'ai suivi sur Top Congo l'honorable Thomas Luaka. Mm-hmm. Je connais le Congo, qui parle de ça. Donc, c'était vraiment son... Et comment quelqu'un... ils étaient vraiment ensemble. Mm-hmm. Et après cela, vous allez vous rendre compte vite que nous avons eu Mousé Laurent-Désiré Kabila. Mm-hmm. Vous savez que Mousé Laurent-Désiré Kabila, personnellement, c'est aussi un Lumumbiste. Ah oui. Parce qu'il a pris les armes après la mort de Lumumba pour se venger. Il a même milité à côté de Che Guevara. Mmh. C'est l'histoire, oui. Effectivement, le Che, ça c'est l'histoire. Mmh. Et c'est pas fini, et après ça nous avons eu son fils. Mmh. Vous savez que c'est avec Joseph Kabila, c'est l'AFDEL mmh. qui l'a amené ici au pouvoir. Ouais. Il est venu avec les troupes de l'AFDEL. Mmh. L'AFDEL, c'est Mousé. Mmh. Nous avons toujours une continuité de cette pensée-là, mmh. des années 60. Mmh. Et après ça, nous avons Tshisekedi, le fils.
Et vous savez l'IDPS. L'IDPS, c'est Levier. Et ah Levier, oui. Vous savez qui il était à l'époque de Lumumba, de Kassavubu, tout le monde. Vous savez, donc pour moi, pour nous, au sein de notre parti politique, nous avons eu qu'une classe politique jusque-là. Mm-hmm. Et c'est la raison pour laquelle on s'est levé, on s'est dit non, non, nous devons changer les choses. Nous devons nous préparer à changer la classe politique. Ça veut dire renouveler cette classe politique. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes des années 60, 90, 80, 70, et plutôt 90 et années 2000, le monde complètement changé. Et surtout, présentement, avec, nous sommes dans un monde en pleine mutation. Je parle au niveau international. Ouais. Vous avez vu comment est-ce que les forces aujourd'hui, il y a des soldations de ce côté, les gens se regroupent. Nous avons le BRICS, ça veut dire Brésil, Russie, Chine, Inde et puis Afrique du Sud. On a une nouvelle force, hein. On a des pays émergents tels que la Turquie, aujourd'hui incontournable. Nous avons des pays tels que le Brésil, aujourd'hui incontournable. Tournable. D'accord. Nous avons la Chine, la montée de la Chine, et pourquoi pas. Donc nous devons regarder le monde là où nous sommes aujourd'hui, étant avec une pensée politique moderne, et nous regardons maintenant l'avenir. 50 ans après, comment sera notre... Quel est votre... à la Mouka, c'est quoi l'idéologie politique que vous... qui conduit votre famille politique? C'est quoi votre idéologie politique? L'état des droits et la démocratie. Le principe démocratique de l'état des droits et la bonne gouvernance. Voilà. Raison pour laquelle nous sommes autour, nous sommes dans la Mouka, autour du leadership de président Fayoulou, Martin Fayoulou, le président élu. Et voilà, et vous connaissez l'homme, c'est, il reste quelqu'un de très constant par rapport à sa vision de faire les choses. Ça veut dire la démocratie, et voilà, raison pour laquelle, vous savez, on a fait de la vérité des urnes notre cheval de bataille. Ça veut dire que dans ces pays ici, ça ne doit plus jamais se répéter. Il faut qu'un Congolais, quand il va élire quelqu'un, il fait son choix, que cette personne puisse diriger. Sinon, on allait laisser. Sinon, on allait laisser, on allait abandonner. On n'a jamais abandonné. Et vous savez, Monsieur Dan, je vais ouvrir une parenthèse. S'il y a une formation politique dans ces pays qui a vraiment contré la CENI, qui a suivi pas à pas, minutieusement, toutes les opérations de la CENI sur terrain, et a contré la fraude, et à continuer à dénoncer et à prendre des actions, des sit-ins, des marches, pour que nous puissions avoir des bonnes élections. Il n'y a que la Mouka. Et je vous dirais même, je vous mets à défi. Vous recevez peut-être des candidats. Il y a même certains candidats président, comment à la présidentielle qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais même lu la loi électorale, même l'entièreté. Ils ne connaissent même pas le nombre de pages que compose la loi électorale. Je vous dis la vérité. Vous voyez. Donc vous partez, les règles du jeu, vous ne connaissez pas, mais vous vous lancez dans une telle bataille. C'est juste une manière de dire que la Mouka, c'est comme le nom le dit, hein, la Mouka, ça veut dire faut se réveiller. La Mouka, c'est pour... c'est pour donner. La Mouka avait contribué à ce qui est pour diriger ce pays, donner comment. Quelle est votre lecture du processus électoral aujourd'hui qui est en train d'être conduit par l'équipe Kadima de son commencement jusqu'au jour d'aujourd'hui? Quelle lecture faites-vous Quelle lecture faites-vous, monsieur Rudy Mandio Chaotique et très déçu. Chaotique et très déçu, surtout venant de monsieur Kadima. Monsieur Kadima, c'est un expert électoral, il ne faut pas oublier, à l'échelle internationale. Mais à voir la manière dont il se comporte. Premièrement, il n'écoute personne. Vous voyez, je peux vous citer beaucoup de délires. Je veux dire, jusqu'aujourd'hui, vous savez qu'on n'a pas la liste électorale. Le fichier électoral qui est M. Kadima, il n'y a que lui qui connaît le fichier électoral. M. Kadima nous dit qu'il a dans son fichier, nous l'appelons son fichier électoral. Parce que jusque-là, on n'est pas partisan, on ne fait pas partie de ces fichiers-là. Il n'y a que lui qui connaît ces fichiers. M. Kadima nous dit qu'il a 43 955 181 électeurs. Mais il faut le prouver. Il faut le prouver. Vous savez, avec M. Nanga, je crois en 2015, si je ne confonds pas les dates, mais je crois l'année, c'est 2015. Nous avons eu la francophonie ici, qui est audité pour l'audit du fichier électoral. Vous savez, peut-être les gens ne savent pas, les gens pensent que nous ne parlons que juste pour parler. Les élections, c'est aussi question de confiance. C'est une marque de confiance. Vous voyez, toutes les parties, toutes les composantes. Ça veut dire, les gens qui viennent, qui entrent, disent que l'arbitre doit être neutre. L'arbitre ne doit pas être, partisan ou il ne doit pas avoir parti pris. Kadima n'est pas neutre. Non, pas du tout. Il n'est pas neutre. Non, non, pas du tout. Mais pourquoi il cache le nombre d'électeurs? Pourquoi il cache son fichier? Vous savez, on va peut-être mettre la Mouka de côté, okay, parce qu'on va dire peut-être vous êtes une branche politique, vous êtes une structure politique, raison pour laquelle vous êtes peut-être contre comment la CENI. Mais je vous dirais, mais nous avons aussi comment l'Église catholique, la SENCO, et voire même le SCC, à travers leur mission d'observation électorale, ils ont proposé à la CENI, ok, pas de quoi, vous refusez comment l'audit parce que la CENI réclame qu'il a déjà audité. Mais il a audité que nous voulons une structure internationale crédible. Vous voyez de quoi je parle? Réputé.
Et voilà, pas juste un groupe d'amis qu'on fait appel qui viennent d'Afrique du Sud, qu'on appelle ici, et ils vont éditer dans 5, 12, 10 jours. Un travail qui peut prendre 20 jours, la francophonie a fait 20 jours, avec moins de nombre d'électeurs que M. Kadi m'est en train de dire. Mais il a fait ses travails avec son équipe. L'audit n'est pas une obligation légale. Oui, ce n'est pas une obligation légale, mais c'est des pratiques qu'on a développées ici. On n'est pas dans notre première tentative d'avoir l'audit dans ces pays. C'est comme j'ai dit, c'est question de l'audit crée certaines confiances. Toutes les parties vont se dire, bon, ok, nous entrons en jeu. C'est comme un match de football. Et je peux voir que, ok, l'arbitre est neutre. Je peux voir que ici, nous avons l'équipe adverse n'a pas 13 joueurs, n'a pas 15 joueurs. Nous sommes à 11-11, donc 10 joueurs sur terrain et puis 2 gardiens, ça veut dire plutôt un gardien. Et chacun, on est sur le même base. Et sinon, on ne voit pas qu'il est en train de prendre, de défendre un parti. Alors par là, je vais revenir à ce que je disais. Nous avons la Senco qui a réclamé, on dit ok, pas de quoi. Vous n'avez pas confiance dans ce fichier électoral de Denis Kadim ? Pas du tout confiance, parce que comme je disais tout à l'heure, je disais que la CENCO et le ICC, l'Église protestante, à travers leur mission d'observation électorale, ils ont demandé à la CENI de dire, bon écoutez, on ne va pas vous demander de faire l'audit à travers une organisation internationale réputée, crédible, le reste, mais nous allons faire l'audit citoyen. Ils ont fait une proposition vraiment géniale. Pourquoi ? Ils disent que, écoutez, nous allons faire en termes d'échantillons. Nous allons peut-être voir, c'est comme l'abbé Chol l'a toujours dit, on vient chez vous, on regarde, montrez-nous, donnez-nous 100 personnes. Ils habitent à Kisenso, ils habitent à Malemankoulou, à Lupatapata, je ne sais pas où, et voilà. Et nous partons voir ces gens-là si réellement ils existaient. Et nous aussi, nous prenons par exemple l'échantillon de 1000 hein, ou 500 personnes, et nous ramenons pour dire, voilà, nous avons eu des cartes d'électeurs de ces gens ici, voilà leurs adresses. Nous devons voir aussi des dents s'ils sont. Vous gardez votre fichier, vous ne montrez que des gens. C'est très bien tout ça, mais nous sommes dans une république. La république est conduite par des règles et des lois. Cette demande de la CENI et de la CENCO, pardon, CENCO-SCC, elle tire... D'où est-ce qu'elle tire son fondement légal? Mais c'est une proposition. Mais écoutez, quand vous avez les partis qui se plaignent de gauche à droite, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais pourquoi est-ce que toute tentative, toute proposition, on refuse? La proposition de la Mouka pour dire le fichier électoral doit être audité par un organe externe, on refuse. La proposition de la CENCO et de l'ECC qui propose de faire l'audit citoyen, on refuse. Et voilà, mais là, aujourd'hui, il faut la loi électorale. Vous parlez des lois, la République est régie sur les lois, sur base des lois. Ouais. Et là, nous sommes, la loi électorale existe. Est-ce que vous savez que la loi électorale dit que, dans son article 8, alinéa 1, il dit ceci, dit que la CENI doit publier les listes d'électeurs, oui. Vous voyez de quoi je parle, oui. Et au moins 30 jours avant la campagne. 30 jours avant la campagne, ça veut dire par centre et avec indication du bureau de vote. C'est ce que la loi dit. Mais jusqu'à là, M. Kadima ne l'a pas fait. 30 jours, c'est la campagne commence le 19 novembre. 30 jours avant. 30 jours avant la campagne électorale. Pas les jours du vote. Pas les jours de la campagne électorale. 30 jours avant la campagne électorale. Ni provisoire. Parce qu'il y a aussi l'article 6 qui parle de provisoire, liste provisoire, liste provisoire, qui n'a jamais été fait, mais définitif, ce n'est pas jamais aussi fait. Et là aussi, sans oublier qu'il doit publier aussi le fichier électoral, ça veut dire sur Internet. Sur les sites de la CENI. Les sites de la CENI. La CENI a dit qu'elle va afficher, qu'elle a déjà affiché les liste sur son site www.ceni.cd. Elle a dit qu'elle a déjà affiché les listes. Est-ce que vous cartographie. Est-ce que vous avez consulté les sites? Nous avons consulté. Et d'abord, vous devez savoir, en rapport avec cette affaire de cartographie, c'est difficilement téléchargeable. Je ne sais pas, il y a M. Kadima lui-même qui peut bien voir avec ses yeux. Et donc, on comprend qu'il y a aussi beaucoup de confusion. Et en termes de cartographie, et nous avons... Aujourd'hui, il faudra lire les communiqués de la CENCO et le CC. Ouais, il y a eu des centres qu'on a triplé, quadruplé, et voilà, à peu près, parce qu'on nous parle d'une affaire de à peu près 73 000 bureaux de vote, un truc pareil. Et on se retrouve. Mais si c'est à minimiser, monsieur Dimandio, vous devez tout prendre tout pour argent comptant. On peut minimiser cela pour qu'on aille aux élections. Non, si on veut avoir des élections parfaites, vous voulez des élections peut-être parfaites,
Mais c'est impossible d'avoir des élections parfaites. Non, mais nous, on ne doit pas baisser les enchères. Mais nous, messieurs Dan, nous sommes un grand pays. La RDC, c'est un grand pays. Mmh. Nous avons 9 voisins. Notre superficie est de 2 345 000 km². Mmh. Et avec à peu près aujourd'hui, nous sommes estimés à 80 à 100 millions. Nous sommes des grands hommes. Nous ne sommes pas des petits hommes. Nous ne sommes pas un petit pays. Nous sommes des grands hommes. L'histoire, dans ces pays, nous avons connu des Lumumba. Dans ces pays, nous avons connu des grandes personnalités. Nous avons connu des Maloula. Nous ne sommes pas un petit pays. Il ne faut pas que nous puissions baisser les enchères pour dire que nous devons juste aller aux élections. L'essentiel, c'est d'aller. Et même si votre carte électorale n'est plus lisible, ça perdit les données. Présentez-vous là-bas, battez-vous, ça reste le Congo. Et voilà, même si vous n'aurez pas comment le kit électoral ou comment le... Bon, avec la Mouka, votre famille politique... Vous êtes intransigeant. Vous êtes intransigeant. Vous ne voyez rien de bon dans la CENI. Qu'est-ce que la CENI a déjà fait de bon depuis que le bureau Kadima est déjà installé? Oh, la seule chose que Kadima fait de bien, c'est être en retard par rapport à la tenue des élections. Ça veut dire tout ce qu'il fait, c'est toujours en retard. Et ce qu'il a toujours fait de bien, c'est de créer ses désordres. Et ce qu'il a toujours... Je parle de lui, hein, je fais l'ironie, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Ce qu'il fait de bien, pour lui, c'est défavoriser un candidat. Parce que tout est fait pour qu'il y ait une fraude électorale. Parce que M. Kadima veut faire le forcing des ce qu'on appelle des nominations, que ce soit au niveau de la présidence et de l'élection présidentielle, au niveau de l'Assemblée nationale, ça veut dire la députation provinciale et nationale. Parce que vous voyez, chez nous, parfois, la médiocrité, on s'habitue à des mauvaises choses. Vous voyez de quoi je parle. Nous reculons toujours et on va standardiser des choses à un niveau de médiocrité et on en passe. Et ça devient normal. Et voilà ce qui est arrivé en 2018. Ça veut dire on a nommé quelqu'un et les élections aujourd'hui. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas des résultats de 2018, bureau par bureau. Il y a que Nanga qui connaît le secret. Monsieur Nanga, alors il se trouve, il y a que lui qui connaît les secrets. Moi, j'étais candidat, mais je ne connais pas de voix. Combien de voix que j'ai reçu? Combien de voix? Et ça n'a jamais été publié. C'est un secret. Est-ce que devons-nous continuer dans cette allure? Devons-nous continuer sur ces chemins-là? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de bien faire les choses? Est-ce qu'avons-nous, en tant que peuple congolais, signé un contrat quelque part que la médiocrité égale nous? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux? Les mondes nous regardent. Les mondes nous regardent. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer l'histoire de ces pays ici? Et de bien faire les choses. Ça veut dire que... Parce que vous savez, quand les gens partent voter un candidat, pour élire un candidat, mais c'est leur avenir qu'ils ont mis à jouer. C'est leur devenir qu'ils ont mis à jouer. Comment est-ce qu'on peut avancer quand vous voyez tout dans le noir, M. Rudy Mandio? Nous ne voyons pas tout dans le noir. C'est parce que, vous voyez, la Mouka aujourd'hui, comme j'ai dit, je le répète encore, j'assume, c'est la seule, il n'y a pas une plateforme ici, un composant ou une composante, c'est pas politique, ici, dans ces pays ici, qui a plus préparé les élections plus que nous. Nous étions attentifs. Nous connaissons tout. Et nous avons même prédit des choses, nous avons même anticipé, nous avons alerté, nous avons fait des déclarations, des sit-ins, des marches contre la fraude électorale. Parce que nous sommes victimes de la fraude. Je dirais en lingala, Muto Baswa la Nyoka. Même ceux qui nous c'est l'État bougé, vous connaissez. Nous avons été mordus par le serpent. Nous connaissons le jeu. Nous ne sommes pas des naïfs. Et nous ne voulons pas que l'histoire puisse se répéter. Cette fois-ci, niet. Ça ne passera jamais. Et je vous dis, M. Dan, nous sommes prêts pour aller aux élections. Et la Mouka est prêt. Et nous avons toutes les cartes. Nous avons même un plan B. Si aujourd'hui, M. Kadima s'hasardait de nommer quelqu'un, vous allez voir ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous allez faire? Je dis, nous avons un plan B. Et nous sommes sérieux avec ça. C'est-à-dire que vous n'accepterez pas que quelqu'un d'autre candidat puisse l'emporter? L'histoire ne va pas se répéter. C'est ce que vous devez retenir. Ce qui s'est passé en 2018 ne se répétera plus. Mais cette fois-ci, pas avec nous. Cette fois-ci, vous irez avec un candidat commun comme en 2018, Martin Fayoulou. Candidature commune de l'opposition. Nous étant que notre formation politique, le PSN, c'est nous sommes du courant libéral, comme j'ai dit, nous sommes démocrates. Mmh. Alors, si la candidature qu'on mis les jeux d'ensemble, c'est quelque chose de bien, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ou vous devez vous mettre ensemble, parler la même voix, pourquoi pas, c'est une bonne chose. Mmh. Et d'ailleurs, en 2018, c'était comme ça. Et Martin Fayoulou a été choisi comme candidat commun. Et voilà, donc aller en discussion, discuter avec les uns, les autres, mutualiser les forces. Vous êtes prêt, Martin Fayoulou est-il prêt aujourd'hui à laisser quelqu'un d'autre le représenter? Est-il prêt à retirer sa candidature pour un autre candidat?
Non, moi, je ne pense pas que c'est léger, se joue déjà à ce niveau-là. Je ne pense pas. C'est question de principe. Le principe, c'est qu'il faudra que les gens puissent discuter d'abord, et puis élaborer au moins des points, et voilà. Et nous, on n'est pas vraiment sur... Vous voyez, j'évite cette question d'individu. Ne parlons pas de Martin Fayet. Pourquoi on ne parle pas des programmes de Martin Fayet? Est-ce qu'il y a un candidat? Pourquoi on ne dit pas qui est le candidat qui va présenter un bon projet, un bon programme de gouvernance pour sauver ce pays, pour refonder cette nation? On n'est plus une nation. Le président Macron nous a rappelé ici, on a existé d'exister depuis 1994. Il nous a dit ça. Et quelqu'un m'a dit, je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire, mais je n'ai pas cette partie, voulais-je dire. Quelqu'un a dit que les dernières cartes d'identité, les Congolais, les Aïrois, à l'époque, ont bénéficié, c'était en 1994. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais Macron nous a rappelé que nous avons cessé d'exister comme nation. Donc, il faudra refonder cette nation. Nous allons aller sur base de crédibilité. C'est au peuple aussi de juger la crédibilité de chaque candidat. Les gens qui vont vous juger dans les urnes. Est-ce que vous, déjà, à votre niveau, tous les candidats qui vont affronter Tshisekedi le 20 décembre, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à choisir, vous, à la Mouka Fayoulou, vous êtes prêts à laisser un autre candidat? Monsieur Dan, les peuples jouent dans les urnes, bien sûr. Ou un autre programme, et un autre programme meilleur qu'il est vôtre. Avant, je vais parler du programme, mais je vais revenir. Pourquoi je parle du peuple? Vous savez pourquoi Genève? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Mais nous étions là, sur Triomphal, où le peuple a dit, Bosangane, c'était sur demande du peuple, ce n'était pas les candidats eux-mêmes. Vous vous rappelez de cette affaire-là? Il y avait tous les candidats. C'est le peuple qui nous a demandé de s'unir. Parce qu'il était pour cette unité. Il dit que nous allons l'unité s'imposer pour battre les candidats. Chadar, il est candidat du FCC. Et ils nous ont imposé, ils nous ont demandé, ils nous ont proposé de se mettre ensemble. Alors on ne peut pas exclure le peuple. Et aujourd'hui, vous n'allez pas prendre un candidat qui n'est pas en communion avec le peuple congolais. Non, je ne pense pas. Et sans oublier, nous pensons que la crédibilité, comment le peuple doit évaluer la crédibilité du candidat, et puis le candidat doit être porteur d'un programme costaud, un programme qui met vraiment les Congolais au cœur de développement. Ça veut dire un programme qui tourne autour de la refondation de l'État, l'autorité, l'intégrité territoriale, la souveraineté, sans oublier même aussi non la balkanisation, un programme qui parle aussi de la défense. Comment on va réformer notre armée? Notre armée est faible. Nous sommes parmi les armées faibles aujourd'hui. Ne suis pas tout ce qu'on dit là-haut. On nous dit 11e armée. Voilà ce qui se passe. Les M23 est là et il démarre et il reste. Et parfois ça fait très mal de suivre des gens. Qu'est-ce qui prime la personne qui a une certaine communion avec le peuple, le candidat qui a une certaine communion avec le peuple? Où son programme? Qu'est-ce qui prime? Les programmes. Les programmes et les types de candidats que nous avons. Ça veut dire sa personne. Ah, ça compte. Voilà. Par exemple, le candidat doit être quelqu'un de crédible, il doit être quelqu'un de constant. Et le peuple se voit dans son combat. Donc, et le candidat et le programme en même temps. Et le programme. D'abord le programme, parce que c'est les idées, parce que vous allez diriger le pays à travers un programme, mais sans oublier aussi une chose. La RDC, parfois, il manque pas des idées ici, il manque pas des projets d'idées. C'est les animateurs des institutions qui posent un problème. L'homme congolais, parfois, est un problème pour le Congo. Les Congos, en soi, n'est pas un problème, c'est l'homme congolais qui est un problème. Ça veut dire la qualité des dirigeants que nous choisissons, que nous mettons devant, c'est eux qui nous posent parfois problème. Vous voyez de quoi je parle? Parce que les projets ne vont pas s'élever d'eux-mêmes pour faire les choses. Ils ne vont pas, l'infrastructure routière et aéroportière, ce n'est pas les projets qui vont se... C'est les hommes qui portent le projet. La qualité de l'homme congolais que vous choisissez pour nous diriger, ça compte aussi. Ça compte énormément. Ça veut dire, est-ce que cette personne est constante? Est-ce que cette personne est crédible? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un de qui a les soucis du peuple? Est-ce que quelqu'un est en communion avec le peuple? Ouais. Raison pour laquelle nous, au PSN, nous disons que le président Fayoulou, si nous avons choisi le président Fayoulou et demeuré dans la Mouka, et nous avons choisi le président Fayoulou, c'est parce que le président Fayoulou, aujourd'hui, comme avant, c'est quelqu'un qui prend l'unité nationale. Notre pays est plus divisé qu'avant. Vous parlez de constance. Oui. À quel niveau évaluez-vous la constance de Martin Fayoulou? Est-ce que... Comment prouvez-vous que Fayoulou est constant? Il n'a jamais été aux affaires. Il n'a jamais été dans les affaires administratives dans ce pays ici. Il fut juste élu en député. Il n'a travaillé avec personne. Ni Kabila, ni Félix. Il n'a jamais été au gouvernement dans ces pays-ci. Cette contradiction, est-ce que c'est une contradiction? Laquelle? Quand il dit
nous n'irons pas aux élections tant qu'il n'y a pas audit du fichier électoral. Écoutez, et après, monsieur dit, monsieur Martin Fayoulou, pour qui j'ai beaucoup de respect, que je salue également, monsieur Martin Fayoulou, qui était challenger en 2018, on va le rappeler. Monsieur Fayoulou dit que le peuple m'a demandé que je puisse aller aux élections. Est-ce qu'il y a une constance dans ça? Je vais peut-être rectifier une chose. D'abord, hein, vous devez savoir, il faut suivre la déclaration. Le président Fayoulou, le président Eli, là où il parlait que nous ne déposons pas de liste. C'était déposer les listes, c'est pas quitter le procès électoral. Déposer pas les listes à condition qu'il y ait audit du fichier électoral. Vous devez savoir une chose. Le boycott n'a jamais été dans notre dictionnaire, dans le dictionnaire de la Mouka. Vous n'avez pas de candidat député national, M. Redi Madi. Alors, Molo, on n'a jamais dit qu'on va boycotter. Oui. On avait mis une pause parce que nous avons conditionné. Et voilà. Vous savez, les gens doivent être fiers. Vous savez, peut-être aujourd'hui, quand les gens vous disent que non, écoutez, vous devez aller et tout, non. Mais parfois, quand les gens sont prêts à sacrifier pour le bonheur des autres, mais c'est comme ça, il y a un leader qui dit, bon, écoutez, moi, je n'irai pas s'il n'y a pas ça. Vous savez que remplir les listes, c'est bon, on va avoir des députés, les gens seront payés 21 000 dollars, monsieur. C'est 21 000 chaque mois. Mais quand on dit non, je n'ai pas besoin de ces 21 000, mais j'ai besoin que les jeux puissent bien se jouer. Ça veut dire l'avenir de ces pays ici. On n'a pas juste besoin d'élire des gens comme ça, non, on veut que les principes soient clairs. Pas des élections juste où on vient et puis quelqu'un est déjà, on va nommer les gens. Non, vous devez respecter que des gens pareils. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour lui à cause de ça. Pourtant, il peut dire que j'ai pu avoir beaucoup d'élus et chacun a 21 000. Non, ce n'est pas ça. Vous savez que c'est 21 000, cette affaire de 21 000. Vous savez? Et aujourd'hui, comme vous dites, nous, on n'a pas déposé nos candidatures. Les 21 000 est à côté, mais nous continuons la lutte. C'est ce qui montre que nous sommes des hommes de valeur, que nous ne sommes pas pour l'argent, nous ne sommes pas pour notre propre bien, mais nous sommes là pour faire avancer ce pays. Voilà une raison. Ce n'est pas une injustice pendant que d'autres ne déposent pas, mais lui-même va déposer. Voilà. Ce n'est pas une injustice. Question de déposer les candidatures. Mmh. Monsieur, ce n'est pas lui qui est allé déposer la candidature. La Mouka, c'est lui qui a déposé la candidature, oui. Mais la Mouka, nous, étant que la Mouka, étant que plateforme, nous avons levé les voix, nous avons voté, nous avons levé les voix. Ce n'est pas lui. Il est candidat de la Mouka. Il n'est pas candidat de l'ECIDE, il n'est pas candidat indépendant. Il est candidat de la Mouka. La Mouka, c'est une structure politique. Au sein de la Mouka, il y a des forces politiques. Et ces forces politiques ont dit, OK, vous devez déposer votre candidature. Et aussi, nous étions en train de faire des démarches au niveau de la CENI pour que la CENI puisse prendre aussi les candidatures des commandes de nos députés provinciaux comme nationaux. Mais seulement que le temps était déjà passé. Et voilà, il ne faut pas oublier que les élections présidentielles, c'est une chose, et les élections de députation nationale, en une autre. Et peut-être ça se déroule le même jour. Mais c'est différents bulletins, je pense, vous connaissez. Mm-hmm. Voilà, c'est différents bulletins de vote. Est-ce que vous ne craignez pas de tomber dans un même blocage? Martin Fayoulou est élu président de la République aujourd'hui, il est déjà installé. Vous ne craignez pas de tomber dans le même problème qu'a connu le président Tshisekedi? C'est-à-dire, il est là, il est président, il a tout le pouvoir, investi, mais n'a pas de majorité parlementaire. Et donc, il doit composer avec le FCC. Aujourd'hui, Martin Fayoulou, dans ce scénario-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas de majorité parlementaire. Qu'est-ce qu'il fait? Les élections libres, transparentes, équitables et apaisées, nous aurons de vrais élus. Si vraiment ces peuples-là vous ont envoyé au Parlement et que ce même peuple a choisi son président, qu'est-ce qui vous manque de collaborer? Parce que vous êtes tous élus par le peuple. N'est-ce pas de quoi je parle? Le peuple vous élit, dit allez au Parlement, vous êtes mon député. Et le peuple dit, le même peuple dit que je vote tel que mon président. C'est impossible pour vous de collaborer? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et aussi, la différence peut-être avec Félix Tshisekedi, c'est le fait qu'il a changé, il a créé une majorité au cours d'une législature. Vous voyez de quoi je parle? En pleine législature, il a créé une majorité. C'est ce que les gens disent que ce n'est pas, c'est antidémocratique. Je me fais comprendre, je veux dire, pour certaines personnes. Nous, ce n'est pas ça. Nous, ce n'est pas ça. Pour nous, nous pensons que nous allons diriger, une fois que le président Martin Fayoulou est élu, il va travailler avec des députés élus par le peuple, parce que lui-même, il sera élu par le peuple. Il y a un pont direct. Pourquoi vous n'avez pas collaboré? Si vous avez les mêmes intérêts, c'est défendre, à moins que vous venez pour autre chose, à moins que vous êtes là pour vous-même. Mais si vraiment que c'est le peuple qui vous a mandaté à aller lui représenter, et c'est le même peuple qui a choisi en président de la République, mais ils doivent collaborer, c'est les mêmes intérêts. Parce que ce sont des mandats électifs, ça vient du peuple. Mais si ces peuples-là, ils nient, ils choisissent ces dirigeants, pourquoi ces dirigeants ne peuvent pas être ensemble?
Sur base d'un programme, bien sûr, je parle d'un programme. Ouais. Mais le président Fayulu sera élu sur base d'un programme, il a un programme. Et les gens vont venir par rapport à ce programme-là. C'est vrai qu'il ne manquera pas des ajustations, mais la grande vision est établie sur ces programmes-là. Et d'ailleurs, même, j'ouvre une parenthèse, il faut voir ces programmes. Moi, j'ai vu ce programme. C'est ce qui m'a convaincu. Et ce qui a même convaincu mon parti d'y démarrer, d'être là. C'est à cause de ces programmes. Ces programmes mettent comment l'homme congolais au cœur du développement, la refondation de l'État. Ça veut dire, vous savez qu'on n'a pas de carte d'identité. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Depuis que l'effet Mobutu est parti. Et voilà, c'est refonder l'État. Vous savez qu'il y a la cohésion nationale. Il y a la cohésion nationale. Vous savez qu'il y a ces programmes partent de la... on est contre la balkanisation, la non-balkanisation de ces pays. Les Congo est indivisible. Comment Fayulu compte-t-il mettre fin à cette question de l'insécurité? Comment compte-t-il procéder une fois qu'il est élu? Ok. Vous savez, cette question d'insécurité dans l'ensemble du pays, nous allons prendre des cas, peut-être deux, trois cas, pour être un peu vite. Concernant le cas de l'Est du pays, vous savez qu'il y a eu beaucoup de tâtonnements, hein, et beaucoup d'amateurisme au niveau politique. Les gens nous disaient que c'était la diplomatie agissante, hein, je crois que c'est ça les termes. Hein. Mais aujourd'hui, les résistants sont nuls. Goma et l'M23 sont presque à la porte de Goma, ou des Sake ou des Goma. La population de Goma aujourd'hui dort, mais les yeux, le cœur ne sont pas là. Les oreilles sont ailleurs pour écouter, est-ce que ces gens n'entraient pas ou pas. Vous savez, il y a eu beaucoup de tâtonnements. D'abord, on nous a fait croire que, voilà, nous avons signé des accords, toujours les accords, parce que ce pays, ils aiment bien les accords, et les accords au niveau de l'Union, comment de l'EAC, ça veut dire Eastern Africa Community, on a signé les accords, et il y aura une force ici pour venir combattre les M23. Mais arrivé sur place, le copinage entre les EAC et les forces gouvernementales, nos FRDC, dont je suis très fier, n'a pas marché. Par contre, ça marchait entre les EAC et les M23. Nous avons vu des vidéos, les M23 et les EAC ensemble, rigoler, parfois prendre la bière. Et après, on s'est sent trahi. On dit que bon, les mandats, ce n'était pas là, c'était aussi le mandat d'attaque, ça veut dire offensif, faire l'offensif. Il faut faire l'offensif comme au M23. Mais après ça, et il n'y a eu rien, on nous impose la voie diplomatique, ça veut dire vous devez vous entendre, on connaît là où cette voie-là va aller, et on n'est pas d'accord. Après ça, on nous suggère encore, on nous dit qu'il faut ramener la SADC, la force de la SADC. Mais avant, on a la MONUSCO. Cette cacophonie, cet tâtonnement, cette manière d'amateurisme, où on se dit qu'on veut le départ de la MONUSCO, qui est à l'est du pays, et la MONUSCO ne part pas, n'est pas encore partie, on ramène les EAC, les forces des EAC, et les EAC qu'on demande aussi parfois, peut-être on veut bousculer, ils ne sont toujours là, on demande encore la SADC. Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur, nous avons plus de 100 groupes armés dans notre pays, qui opèrent dans notre pays? Est-ce que vraiment nous pouvons jouer ainsi avec les vies des Congolais? Est-ce que les Congolais de l'Est sont moins Congolais que celui qui est à Bandundu, celui qui est en Mbujimayi, que celui qui est à Matadi? Et aujourd'hui, les poches de sécurité, il faut suivre les conflits qui règnent au niveau de la Tchopo. Vous êtes au courant. Il y a des morts au niveau des tribus, entre des tribus au niveau des Tchopo, de la Tchopo. Et sans oublier, aujourd'hui, nous avons aussi des conflits au niveau des Kwamout. Donc, on a eu beaucoup de poches de sécurité dans notre pays aujourd'hui. Et vous savez que les gens des Kwamout ne vont pas voter. Vous êtes au courant. Est-ce qu'ils vont voter? J'ai parlé des gens de l'Est, vais-je dire. Les gens de l'Est. Est-ce qu'ils vont voter là où occupent les M23? Est-ce qu'ils vont voter? Est-ce qu'ils étaient enrôlés? Ils ne se sont pas enrôlés? Ça reste une question. Mais comment vous comptez résoudre ce problème? C'est vrai, vous avez décrit la situation, vous avez condamné ces décisions qui ont été prises. C'est question de leadership. Un leadership responsable. Quelqu'un qui maîtrise les enjeux. Quelqu'un qui sait s'éculver. Quelqu'un qui est prêt à changer l'image de ce pays, à redonner l'image de ce pays comme nous avons fait. Le président Tshisekedi a dit, s'il n'arrive pas, pendant les 5 ans, ça veut dire qu'il considérera son mandat comme étant un mandat échoué. Raison pour laquelle nous disons, ses mandats, son mandat lui-même, il a prophétisé. Alors, il avait toute cette bonne intention, il a fait ce qu'il a fait. Le leadership, oui, c'est vrai, on a compris, mais... Concrètement, vous ferez quoi au juste? Vous allez combattre aussi le Rwanda? Vous allez... qu'est-ce qui est prévu exactement dans le plan de Martin Fayulu? Dans le programme du président Martin Fayulu, j'ai eu à guetter, avoir un peu de ligne concernant l'armée. Nous allons réformer l'armée.
Nous allons réformer l'armée à travers renouveler, d'abord rajeunir l'armée et puis et que l'armée, les soldes de militaires soient vraiment à temps et que les militaires soient bien payés, bien équipés et aussi bien formés. Et sans oublier aussi que la police. Et aussi, nous allons aussi beaucoup aller dans le sens d'une diplomatie vraiment solide et où il y a du gagnant-gagnant et le respect mutuel. Et surtout, tout sauf la balkanisation de la RDC. Même pas un centimètre de la RDC, nous le laissons à qui que ce soit. Et nous allons imposer un respect même à nos voisins. Les gens doivent nous respecter, étant que peuple congolais. Et ce n'est pas fini. Il y a des accords qu'on va laisser, qui n'a rien produit au niveau sécuritaire, qui n'a rien produit. Et nous allons d'abord compter sur nous-mêmes. Ça veut dire, aujourd'hui, vous savez que notre armée, c'est juste parce qu'ils ne sont pas bien formés, parce qu'ils ne sont pas bien équipés, et aussi parce qu'ils ne sont pas aussi bien payés. Et si nous gérons ces choses-là, nous allons voir les résultats dans ces pays ici. Et il faudra prendre aussi certaines mesures au niveau de l'est du pays, sécuritaire, vers nos frontières, la surveillance de nos frontières. C'est quelque chose aussi d'important que nous allons vraiment aussi mettre en premier plan. Mais comme j'ai dit, il faut retenir que nous allons réformer l'armée. Moi, je parle, les termes que moi j'aime beaucoup, la refondation, on va refonder l'armée parce qu'elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Vous savez la différence qu'il y a entre un militaire qui touche et un député. Mais c'est énorme. Un militaire touche à peu près 150 $. Mais un député touche 121 000 $. Sont sérieux. Quelqu'un qui est au front, quelqu'un qui nous sécurise, il risque. Et voilà, je sais que on doit quand même respecter le travail de tout un chacun. Je ne dis pas qu'un député ne mérite pas, non, je ne dis pas ça. Mais quand même, quelqu'un qui dort dehors, quelqu'un qui prend la sécurité de notre pays, et voilà. Mais il faut quand même, le prendre au sérieux. Vous avez combattu Joseph Kabila pour les mêmes questions. Vous combattez aujourd'hui Félix Tshisekedi pour les mêmes questions. La situation demeure. Est-ce que ce n'est pas un problème, un mal qui dépasse les individus? Est-ce que le fait de voir Tshisekedi comme étant le problème n'est pas faire fausse route? Parce que Kabila aussi a lutté contre ça, il n'a pas su. Est-ce que ce n'est pas une fausse route? C'est des questions qui dépassent les individus, je ne pense pas. Moi, je pense que c'est une question de leadership, comme je dis. Et puis, parfois, les gens qui échouent, c'est l'impréparation. Beaucoup de gens, vous allez voir beaucoup de promesses non tenues et ça montre l'impréparation. Parfois, et quand on n'est pas encore là, on dit des choses et voilà. Mais quand même, il y a des mesures, il y a quand même des moyens de faire des projections quand on est préparé, surtout quand on a une vision très claire. Vous voyez de quoi je parle, quand on a une vision très claire. Souvent, les gens nous disent que, les présidents, c'est les conseillers, le reste. Mais c'est le président qui choisit ses conseillers. Vous voyez de quoi je parle, quand vous êtes président de la République, c'est vous qui choisissez vos conseillers. À qui vous allez donner vos oreilles ou votre oreille? Alors, c'est comme ça. Et aussi, le leadership. Comment est-ce que vous voyez ce pays dans 10 ans? Où est-ce que vous voyez ce pays dans 15 ans? Dans 30 ans? Après, vous, comment vous voyez ce pays? La vision doit être au-delà d'une génération. Ça veut dire 50 ans après. Et si je ne suis pas là, comment ce pays va continuer à vivre? À quel état je vais laisser ce pays ici? C'est ça, le leadership. Une préparation, le manque de leadership, c'est ce qui crée tout ça. Vous voyez de quoi je parle? Et surtout aussi, quand on a un côté où il y a l'enrichissement personnel, vous aimez bien le bien-être, votre bien-être personnel, et voilà, parfois l'égoïsme, vous voyez de quoi je parle. Pourtant, nous sommes dans un pays avec beaucoup de ressources où chacun peut trouver sa part. Moi, je pense que chacun peut trouver sa part dans tout ce qu'il fait. Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, il y a certaines informations qui affirment que Fayoulou et Tshisekedi sont des connivences. Et que Tshisekedi, c'est lui qui aurait financé le paiement de la caution de Fayoulou. Fayoulou et Tshisekedi se voient et ils continuent d'échanger. Ils sont en parfaite harmonie, parfaite union. Qu'est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Monsieur Dan, Félix Tshisekedi, s'il a un candidat face de lui sérieux et costaud, c'est Martin Fayoulou. Mais pourquoi ces informations-là circulent? Et il a prouvé aujourd'hui. C'est à vous de nous dire pourquoi est-ce que certains journalistes disent que Fayoulou est de connivence avec Tshisekedi. Félix Tshisekedi, ici, je répète, Félix Tshisekedi, ici, il a un candidat sérieux, costaud en face de lui, qui lui fait peur, c'est Martin Fayoulou. Et il a prouvé aujourd'hui. Plus que Mukwege, plus que Katumbi, plus que Matata, Fayoulou, c'est le candidat suprême. Je parle de Martin Fayoulou. C'est lui qui est suprême. Je parle de Martin Fayoulou. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi l'a démontré. Comment ça?
Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui. La convocation de la CENI, des candidats, cette concertation des candidats présidents. Mmh. Et voilà. Alors, par là, qu'est-ce que je vais dire? Ces histoires, c'est monté de toutes pièces. Nous connaissons d'où ça vient, toutes ces histoires-là. Au moins, on n'a pas besoin de citer les gens, on n'a pas besoin de... Non, nous, on regarde nos offres politiques, c'est le plus important pour nous. C'est que vous devez retenir... Vous avez confiance en Martin Fayoulou, complètement, monsieur Rudy Mandiou. Vous fermerez les yeux et vous dites que ce monsieur ne peut pas vous trahir. Trahir le peuple congolais. Trahir le peuple congolais et vous-même au sein de la famille Lamouka. Non, Lamouka, ce n'est pas juste avoir... étant qu'il leader, on a confiance en lui. Mais Lamouka, c'est le norme. Lamouka, nous travaillons. Lamouka, nous travaillons. Lamouka, nous bossons, nous travaillons. Nous nous réunissons. Je ne sais pas s'il y a une plateforme politique qui s'est réunie plus que nous. Chaque question, minutieusement, nous l'élaborons. Mais la manière dont nous allons diriger. La qualité des dirigeants. Ça, c'est Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, même si vous êtes son proche collaborateur, mais vous devez être à la hauteur. Vous devez être à la hauteur. Disons, je n'ai pas la moyenne, nous, et non plus la médiocrité. Même pas la moyenne. Vous devez être à la hauteur des enjeux. Parce que lui-même, il est à la hauteur des enjeux. Faut pas oublier, il fiche chef d'entreprise. Mmh. Et voilà. C'est quelqu'un qui a un leadership vraiment très bien. Et quelqu'un avec rempli de beaucoup de simplicité. Et je n'aime pas trop parler de l'homme. Je puisse parler des idées, au fait. C'est qui lui, il incarne. Donc, c'est qu'il représente. Ce que c'est refonder cet État ici, que nous puissions encore rentrer, faire revenir notre nom au concert des nations. Que les gens, quand ils écoutent Congo, c'est comme ils écoutaient les Zaïre à l'époque. Vous voyez de quoi je parle. Mmh. Que les gens puissent avoir peur, même avant que Mobutu puisse arriver. Mmh. Le pays va se développer. Martin Fayoulou peut développer ce pays en 10 ans. En 10 ans, oui, avec un programme costaud. Il peut développer ce pays en 10 ans. Vous savez, un pays ne se développe pas. Ouais. Je ne connais pas, je n'arrive pas à maîtriser qu'est-ce que vous appelez développement. Infrastructure, qu'est-ce que vous appelez dans les 10 ans, qu'est-ce que vous voulez voir? Mais dans les 10 ans, c'est que nous disons, nous allons mettre le pays sur le rail. Il y aura un grand changement. En commençant par les 100 jours, les 100 premiers jours, vous allez voir les mesures qui seront en place. Et nous, on ne fait pas des procès d'intention. Ça veut dire des promesses, des bonnes intentions qu'on ne va pas réaliser. Non. Vous allez faire quoi concrètement? Effectivement. C'est que, redonner l'image de ce pays ici, vous allez voir les infrastructures de base, vous allez voir la cohésion nationale, on va faire retourner la cohésion nationale dans ce pays ici, parce que le pays est tellement divisé. On va terminer la guerre. Vous pensez que ceux qui sont venus avant vous n'avaient pas cette volonté de le faire? Autre temps, autre mers. Parlons de nous, ce que nous sommes capables à donner. Ne parlons pas des autres qui, là où ils n'étaient pas capables. C'est parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Les gens qui souffrent aujourd'hui à l'est du pays, à Kouamout, c'est des gens qui veulent un changement maintenant là. Et les changements que Martin Fayoulou avait donné, les changements que Lamouka avait donné. Parlons de notre offre politique. Notre offre politique, c'est terminer la guerre à l'est du pays. Notre offre politique, c'est tenir des promesses réalisées. Notre offre politique, c'est d'avoir un leadership responsable. Pas qui tout le temps, chaque samedi ou chaque week-end, on est dans de fêtes. Non. Un leadership qui respecte les Congolais et qui prend la cause des Congolais, et qui dort avec et qui agit. Et un leadership non pleurnichard, ça veut dire il ne se plaint pas. Qui agit? Vous voyez de quoi je parle? On nous attaque à gauche, à droite? Non, on ne se plaint pas. On agit. Et au bon moment. Un leadership responsable. Ça veut dire, nous allons, comme j'ai dit, refonder l'armée, changer l'armée. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à une affaire de 100 000 hommes, quelque chose pareil. Nous voulons ramener dans le programme de Martin Fayoulou, il compte ramener l'armée à 300 à 400 000 hommes. Avec quel budget? Avec quel budget? Nous avons quel budget pour avoir 300 000 hommes? On les paiera comment? Vous savez, Monsieur Dan... Ce ne sont pas des procès d'intention, pas de procès d'intention. Vous savez une chose, laissez-moi vous dire une chose. Vous savez que notre PIB, à l'intérieur, déjà, nous pouvons augmenter le revenu, mais à travers les recettes, comme on dit, hein, le régie financière, nous pouvons avoir. Mais savez que nous allons plus combattre la corruption. Parce que je me rappelle de quelqu'un qui nous disait ici, très bien, que je parle bien du professeur Luzolo Bambi, qui nous parlait qu'aujourd'hui, si la RDC seulement bloquait tous les trucs de corruption, je parle des régies financières, nous aurons... La RDC perdait, il disait que nous sommes en train de perdre chaque année, annuellement, 15 milliards de dollars. Uniquement avec les détournements, uniquement avec la corruption et les restes. Si seulement nous fermons tous ces bouchers-là, nous aurons de l'argent. Nous sommes un grand peuple. Et nous allons mettre l'argent sur l'agriculture. Dans l'agriculture, nous voulons développer l'industrie agricole. Nous voulons nourrir l'Afrique, l'Afrique centrale, l'Afrique australe. Nous voulons que le pondou puisse aller de loin. Nous voulons que les aubergines puissent arriver en Afrique du Sud. Pas l'inverse. On ne veut pas juste importer la tomate jusqu'ici. On veut exporter.
nous voulons peut-être nous allons augmenter notre PIB et aussi nous allons favoriser les climats d'affaires. Ça veut dire, comme on dit en anglais, foreign direct investment, ça veut dire investissement direct étranger. Nous allons créer ces climats d'affaires qui sera bien respectable. Voilà, donc dans ce sens-là. Et aussi, éliminer les détournements. Nous n'allons pas avoir des cas, on ne souhaite pas avoir des cas où des procès de 100 jours, il y a eu détournement. La gestion de la Covid, il y a eu détournement. Les FSP, il y a eu détournement. Laissez-moi vous dire, les Tchil et Djelou, il y a détournement. Et récemment encore, nous avons cette affaire de la francophonie. Après une fête, et quelqu'un a dit la RDC déçoit toujours. Non, nous ne voulons pas. On veut changer ce langage. La RDC ne décevra pas tous les jours. La RDC va se remettre avec un bon leadership. Le problème du Congolais, le problème de RDC, c'est l'homme, le Congolais. Il y a beaucoup d'antivaleurs, la haine, le tribalisme, la corruption, les détournements, l'intolérance, tout ça, tout ce problème-là, vous l'avez dit, on a l'impression que les Congolais s'habituent aux antivaleurs. Est-ce que c'est une tâche facile pour vous de mettre fin à ça dans la société congolaise, monsieur Rudimant? Tout dépend de leadership. L'Amérique est l'Amérique parce que leadership vient à tout résoudre à la fois. Le leadership, un bon leadership cohérent, sérieux, influence. La Chine est ce qu'il est aujourd'hui parce que Mao Zedong a mis des bases qui aujourd'hui d'autres leaders en profitent. Je me fais comprendre, je vais dire. Les États-Unis, c'est qu'il est parce que les présidents qui sont passés, je parle d'Abraham Lincoln, je parle de je vais prendre Franklin Roosevelt et tous ces gens qui ont décidé. Même aujourd'hui, l'économie des États-Unis, elle est ce qu'elle est parce que Franklin Roosevelt, après la Deuxième Guerre mondiale, a dessiné l'avenir des États-Unis, à travers l'avenir économique des États-Unis, à travers un plan Marshall. Ouais. Vous voyez de quoi je parle? Qu'ils ont donné l'argent à l'Europe et l'Europe était plus touchée à travers la guerre, vous voyez, avec Staline et Hitler, mais les États-Unis n'étaient pas touchés. Ils ont profité, ils ont pris ça comme avantage. Et aujourd'hui, les Américains, aujourd'hui, ils en profitent. Ils ont sacré cette suprématie américaine au niveau économique et au niveau militaire et au niveau des forces. Et nous aussi comme ça, les leaderships, le cercle de tout. La personne que vous allez lire doit influencer. Quelqu'un qui doit être un rassembleur, comme vous avez des antivaleurs. Quelqu'un qui doit être exemplaire et quelqu'un de rugueur. Vous voyez de quoi je parle? Qui ne laisse pas passer tout. Et quelqu'un qui devient un modèle. Et qui met des bases, parce qu'un pays ne se développe pas dans 10 ans. Non, mais on peut mettre des bases solides. Mais les gens, l'impact, les gens doivent sentir l'impact. C'est pas juste dire que voilà, nous avons récolté autant, notre PIB a augmenté, mais sur le panier, dans le panier des ménagères, est-ce que sur le plan social d'un Congolais, un citoyen lambda, comment il le voit? C'est comme c'est que les chiffres que je vois le gouvernement nous donner. Et voilà, ça met. Moi, je ne sens pas ça. Les dollars ne font que grimper. L'inflation aujourd'hui est 15 à 25%. L'inflation, les gens n'arrivent plus à dépenser parce que les fonctionnaires de l'État sont payés en retard. Parfois ils sont payés dépendant des caprices de gouvernement, si je veux dire, qui disent que bon, nous allons vers les élections, on va leur payer, on va payer les militaires. Non, mais écoutez, les salaires, c'est un droit quand même. Alors par là, ce que je vais revenir pour dire que un bon leadership rassembleur va faire en sorte que c'est à travers un programme qu'on mettra en exercice. Un programme solide, un programme qui tient compte du développement de l'homme congolais. Développement de l'homme congolais. Vous voyez de quoi je parle? Comme la Chine a fait, comme le Brésil a fait. Développer l'homme congolais. L'homme congolais doit adopter la mentalité du bon, du goût. Ouais, nous sommes un pays. Dans ce pays, ça existait, M. Dan. Ce pays, c'est là où nous avons eu le plus grand combat d'Ali Foreman. Ce pays, nous avons eu parmi les 5 meilleures armées d'Afrique. Ce pays, c'est là où nous avons eu, comme nous sommes allés à la Coupe du Monde en 1974. C'est ce pays, je parle du côté culturel, hein, pour voir que nous sommes une grande nation. C'est ce pays, côté scientifique, que les seuls pays en Afrique, ou des rares pays en Afrique, si je peux les dire, mais je pense que ça doit être les seuls pays, où nous avons eu les Apollo, la mission d'Apollo. Les Américains qui ont posé leurs pieds pour la première fois vers la Lune, qui sont venus ici. Nous, même sur le plan, nous sommes une grande nation, nous étions une grande nation. On doit redorer l'image de la RDC à travers un bon leadership, rassembleur, cohérent, sérieux, visionnaire et exemplaire. Visionnaire et exemplaire, monsieur Rudy Mandio, on est à la fin. Merci beaucoup d'avoir d'abord été avec nous, mais avant de nous quitter complètement, je m'en vais vous poser une question. Très simple. Alors, nous sommes le jour de la proclamation des résultats. Le scénario de 2018 se répète.
Le président Félix Tshisekedi est reconduit pour un second mandat. Votre réaction et comment vous allez vous y prendre? Monsieur Dal. Oui. Nous sommes des démocrates. Vous allez féliciter Tshisekedi. Nous respectons le principe du jeu transparente, visible à l'œil nu. Vous savez, les peuples congolais, c'est très bien pour qu'il va voter d'une manière majoritaire, qui aura la majorité. Je vous parle de quoi? Vous savez que le président Martin Fayulu, c'est le président élu. Quand nous nous promenons, nous étions au Congo central, au Kwilu, au Kasai, à Chikapa et à Kananga. Quand les gens saluent le président Fayulu, ils disent c'est mon président élu. Président élu, cette terminaison ne manque jamais. Parce que les gens savent qui ils ont voté. Si les résultats ne cadrent pas, ne correspondent pas à la vérité des urnes, je ne souhaite pas à M. Kadima de tenter cette aventure. Je ne souhaite pas ça. Et je m'arrête là. Parce que j'ai dit que nous, nous sommes prêts. Nous avons des plans B. L'histoire, cette affaire de 2018 ne se répétera plus jamais dans ces pays. Un coup d'État. Vous ferez un coup d'État. C'est quoi un plan B? Qu'entendez-vous par plan B? Déjà, vous serez hors la loi ou comment? Qu'est-ce que vous allez faire? La loi déjà va installer Tshisekedi. Le plan B viendra de quelle formule? Je pars de plan B et je ne vais pas dévoiler notre plan B. Mais vous devez retenir une chose, que nous sommes des gens qui respectent la Constitution. Nous sommes des démocrates. Nous avons mené notre combat des 5 ans ici, de la vérité des urnes, aux côtés du peuple congolais. Donc nous n'allons jamais s'égarer de ces peuples-là. Notre combat continuera pour défendre l'intérêt de ces peuples-là. Nous serons toujours avec ces peuples-là et tout est prévu dans la loi et dans notre Constitution. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Rudy Mandio, président du PSN, Peuple au service de la nation, parti politique, membre de l'Amuka Fayulu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ce n'est pas une dernière fois. On vous invitera certainement pour d'autres émissions, peut-être aussi des débats, comme on organise ici, avec des invités de taille, comme vous-même, pour justement éclairer l'opinion de nos téléspectateurs. Je me remercie, merci beaucoup, c'est une très belle émission, merci d'avoir invité, voilà, donc je suis très ravi d'être là, c'est une première fois, c'est pas une dernière fois. Et aussi à tous les téléspectateurs, je les salue, à tous les Congolais partout où ils sont, à Malembankoulou, à Lupatapata, que ce soit à Sekebanza, que ce soit à Ituri ou partout, je vous salue tous, merci beaucoup. Merci beaucoup mesdames et messieurs, merci à vous tous qui nous accompagnez. Merci également Madame Evody qui a accompagné M. Rudy Mandio. Merci à Chris Limbuka qui a réalisé cette émission. Homo Fortis Elika, vous tous, chez vous à la maison, portez-vous bien, que la paix règne chez vous. À très bientôt.